1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, le test micro. Vas-y. Reçu, terminé, reçu, Wari. Prends la température un petit peu. La température est de 17 degrés à Apple, Steven Simborg. Il fait moins 13. Mais je te nique. Si t'es là, c'est que t'aspires à être solide, solide comme solide Mike. On n'est pas aujourd'hui sur un film de cuisse. Ferme ta gueule, tu vois pas que je suis en train de parler. On va commencer aujourd'hui une vidéo un petit peu différente. On a décidé de faire un micro-trottoir. Boudjema, il a une très bonne idée. Il a eu l'idée de demander aux filles dans Aix-en-Provence qui sont les plus performants entre les blancs ou les noirs. Bien évidemment, donc voilà. Donc je suis toujours là au personnel dans les vidéos et tout pour faire le maximum de buzz, pour me faire connaître dans le monde entier, mais tout dans le monde de Marseille. Même si les personnes seniors ou ceux qui ont des enfants qui sont en madamette ou maman seule, qui n'a pas le mari à côté qui le donne pas vraiment, vraiment, bip, il n'y a pas de problème. Ah ouais, ça, il a vraiment aucun respect en fait, Boudjela. Tu es sûr que tu vas porter tes couilles et faire vraiment ce que tu viens de dire là? Non, mais grosse couille, bien comme je dis, Sofran Dubosc, tout, épisode numéro 3, mais grosse couille bien sur la table avec du goudron bien écrasé contre un mur. Allez, c'est parti. Ah, c'est bon, c'est mieux, voilà. Bon, mon cher ami, vu que tu es là, que tu veux assister à nos trucs, bien évidemment, commentateur, entre un noir, un blanc et un noir, c'est lequel qui peut faire performant? Je suis pas raciste, mais je dirais le noir. Ah non, pour quelle raison? Il a plus longues jambes. Plus longues jambes, d'accord. Et ensuite, il y a autre. Si, les noirs sont plus grands en généralité, les noirs. On va faire parler la demoiselle, y a pas de soucis, c'est parti. Tiens, mais. Mademoiselle, parlez, n'ayez pas honte, allez, c'est parti, n'ayez pas honte, allez, parler avec douceur. Mais je suis d'accord avec lui, mais les noirs ont pas de plus grandes jambes. Bon, ça dépend, moi j'étais 1m84, costaud, agent de sécurité Sandy, et voilà quoi, y a pas de soucis pour ça. Ah, et voilà, c'est moi. Ah, voilà, on est connus. Attends, on va faire. Allez, bon, ben évidemment, nous sommes avec des abonnés là, donc de Solid Mike, avec Budget Like en personne. Donc là, nous sommes en train de faire un documentaire de savoir la performance entre les blancs et les noirs. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est fantastique. Franchement, je trouve que la question a pas vraiment de sens. Est-ce que les blancs ont plus de poids? Ils ont plus d'énergie que les noirs, plutôt. Dans le sport, plutôt. Pour quelle raison, non, dites-moi? Bah, moi je pense que ça dépend surtout du travail après. Et vous, mademoiselle, allez, je vous écoute bien, allez de plus près, dites-moi. Je sais pas, la performance entre les blancs et les noirs. Oui, la performance, et le noir il a quoi de plus qualité que les blancs? Mais ça dépend, tu sais, il y a des noirs qui sont plus fins que d'autres, des noirs qui sont plus... D'accord, comme moi, les noirs sont bien payés pour, donc on va leur demander des explications concrètes. C'est qui les plus performants entre un blanc et un noir? En tant que sportif? Oui, tout à fait. Parce qu'on a les mêmes capacités, mais c'est vrai que vous courez vite. Hein. Ah, pour quelle raison? Pourquoi? Parce qu'on mange mieux ou c'est pour quelle raison? Je sais pas du tout, ça vient. Je sais pas. Après, c'est un peu de logique. Ouais. De l'entraînement? De toute façon, il n'y a pas beaucoup de différence. Il n'y a pas beaucoup de différence. Motivation, exactement, tout à fait. Et encore? C'est dans la tête. Voilà, c'est tout dans le mental, évidemment. Qui c'est le plus fort en course, je veux dire, entre un blanc et un noir? Tout simple. Un noir? Non, je pense qu'il n'y a aucune différence entre les deux. Du travail, niveau d'entraînement de sport et tout, musculation, drogue, tout ça là? Non, après je pense que ça dépend de comment t'es éduqué surtout. Ah, l'éducation, bien évidemment. Et vous, mademoiselle? Bah en fait, je pense que c'est CMC, mais c'est aussi comme il dit, l'éducation, etc. C'est pas parce que t'es blanc ou que t'es noir. Attendez, on passe au collègue, monsieur. Alors si on t'inculque les valeurs du travail, quels que soient tes parents, après... Tout ce qui est niveau protéines, tout ça, vous pensez que ça va avoir quelque chose ou non? Non, je pense pas. Vous avez dit qu'il courait vite. Donc lui, il doit courir vite, logiquement. Je cours vite, ouais, très vite. Ah oui. Et moi, je pense qu'une de vous deux, elle peut le gagner à la course. Tout à fait, on fait résumer tout ce qu'il a dit, le monsieur, le collègue, c'est de la performance et de l'énergie à faire tous les jours, sans exception. Que je pense que c'est les noirs plutôt, par mon occasion. Donc on a bien répondu à ma question qu'il fallait dire. En te remerciant. T'interprètes comme tu veux. Il n'y a absolument pas de différence. Qui sont plus rapides à la course, par exemple, à l'athlétisme. En athlétisme, après moi j'ai deux coureurs qui courent assez vite et qui sont, oui. Un blanc et enfin métis. Tout à fait. Ils sont tous les deux très forts, alors vraiment, enfin, j'ai pas trop de, enfin, je trouve pas de différence particulière entre les deux. Voilà, on peut faire une démonstration de l'un au niveau du Barberousse là-haut, si vous voulez, y a pas de souci. Non, on le fait à 3. À 3, oui, à 3 pour vraiment, voilà. Voilà, c'est parti, je vais faire la course, allez, c'est parti. Allez, mets-toi en position, allez sur le starting block, bougez like. Attendez, on va demander les prénoms, attendez, il y a une voiture. Allez, laisse-la passer, il n'y a pas de soucis, allez, on va laisser la Laguna, année 2004, 180 km de distance. Allez, on fait une montée, allez-y. Ok, ok. T'inquiète pas, on fait une bonne course, t'inquiète pas. Allez, on va se mettre sur les starting blocks, on est parti, donc c'est... Bougez like. Comment? Le prénom. Johanna, à Mons. Ok, Amance Johanna contre Boudjé Like. Boudjé Like, allez, 3, 2, 1, go! Voilà, c'est parti! C'est un enculé, hein! C'est du sang!
Ah, il a zéro pitié. Ah, il a couru toutes ses forces. Oh, j'ai dirais une voiture Zafira. 307 SRS. C'est drogué, piqué, pas besoin de ça pour aller plus vite. Piqué, t'es drogué. La drogation. 200 euros de crédit dans mon compte. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez qu'on pose encore des questions à la con au passant, histoire d'essayer de déceler des petites pépites chez les gens, n'hésitez pas à liker au maximum, 1000 likes et on posera une question encore plus hard. De toute façon, dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous voulez qu'on pose comme question au passant, que ce soit à des hommes ou à des femmes, peu importe, vous nous dites, et on le posera sans problème, on le fait avec la commu. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Snap les gars, pour suivre un petit peu nos délires, ça notre quotidien, vous n'allez pas être déçus comme il dit, vous ne serez jamais déçus avec Bougez Like, Solid Mike. Toujours le bordel. Sur ce, la fête est déjà finie. Reste solide et la vie sera pour toi un film de cuisses. Peace. Peace, like.